Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 22. À Pereira, sur le lieu du défilé, Hilda après un malaise est toujours évanouie. Catalina la Grande et Salvatore sont à son chevet. Salvatore emmène ensuite Hilda en coulisses. Matteo et Johanna qui ont observé toute la scène, se moquent d'Hilda et la traitent de Cendrillon du pauvre. De l'autre côté, Albeiro qui a été kidnappé par la Diablesse, demande au chauve ce que la Diablesse veut de lui. Le chauve lui dit de ne pas se presser, et qu'il va le savoir bientôt. Albeiro s'énerve et insulte le chauve et la Diablesse, il essaie de se débattre. Mais le chauve le calme et lui dit qu'il a intérêt à respecter les consignes. Après ces mots le chauve s'en va, laissant Albeiro furieux. Au défilé, le docteur après avoir examiné Hilda, dit aux autres qu'elle a juste fait un malaise. Et que tout va bien. Catalina la Grande inquiète supplie sa mère de se réveiller. Salvatore aussi est au chevet de Hilda. De l'autre côté, Vanessa est allée croiser Daniel pour qu'il aide avec l'histoire de Rota. Elle lui dit que Rota n'est pas capable de mettre un tel plan d'évasion en place. Et qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre à la tête de cette évasion. Daniel lui dit qu'il va enquêter sur cette histoire pour trouver une piste. Au défilé, Hilda se réveille enfin. Elle supplie Catalina de retrouver sa sœur, Catalina la moyenne, car celle-ci est portée disparue. Catalina le promet à sa mère, qu'elle fera tout son possible pour retrouver sa sœur. De l'autre côté, Vanessa dit à Daniel qu'en parlant avec cette bande il vient de signer son arrêt de mort. Car ceux-ci sont maintenant dehors la loi. Daniel lui dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour faire triompher la vérité. Et qu'il est sûr que derrière toute cette histoire, se cache un grand reportage qu'il doit révéler au public. À la sortie du défilé, Hilda s'excuse auprès de Salvatore pour ce qui s'est passé. Et qu'elle ne voulait pas créer tout ce spectacle en s'évanouissant au milieu du podium. Salvatore lui dit que ce n'est rien. Catalina salue Salvatore et le remercie pour tout, elle confie sa mère à Salvatore et monte dans la voiture. Hilda dit à Salvatore qu'elle a eu tellement d'émotions, et Salvatore lui dit qu'il est fier d'elle, il lui fait un bisou pour lui dire au revoir. Ce qui surprend un peu Catalina qui les observe dans la voiture. Catalina curieuse questionne sa mère, mais Hilda ne veut rien dire. Johanna qui les observe de loin, demande à Matteo de faire sortir l'article sur Hilda demain. Matteo lui confirme cela, il ajoute que cet article sera une véritable bombe qui va exploser. Ce qui fait plaisir à Johanna, qui est impatiente de détruire Hilda. Le lendemain matin, Hilda est toujours aussi stressée car sa fille Catalina et Hernan Dario ont tous les deux disparu. Ce qui la rend très angoissée. Lisette essaie de lui remonter le moral, et lui dit que les avocats sont allés voir Catalina pour essayer de trouver une solution. Catalina est chez elle lorsque Natalia arrive. Elle informe que son rendez-vous avec le candidat Berio est pour bientôt. Catalina lui demande de repousser le rendez-vous de quelques heures pour qu'elle soit prête. Catalina demande ensuite à Natalia de se concentrer sur la disparition de sa sœur Catalina. Natalia lui promet qu'elle fait des recherches. Au même moment on frappe à la porte, c'est Sandra accompagnée de l'avocate Marcela qui rentre. Catalina les accueille et les invite au salon. De l'autre côté, la Diablesse demande au chauve de préparer le gamin qui va rentrer bientôt en action. La Diablesse rejoint ensuite Albeiro dans la chambre. Albeiro furieux lui demande de le détacher et la traite de folle. La Diablesse rigole et lui dit qu'il va appeler Hilda, et lui répéter tout ce qu'elle va lui dicter. Chez Catalina, Marcela l'avocate leur dit que le cas de Rota et Santiago s'annonce très compliqué. Catalina lui dit que cela l'étonne que Rota et Santiago se soient évadés ensemble, car ils n'étaient pas amis. Marcela dit à Catalina que sûrement la police viendra lui poser des questions sur Santiago. De l'autre côté, la Diablesse lance le numéro d'Hilda et le met à l'oreille de Albeiro. Hilda décroche mais Albeiro ne dit rien. La Diablesse raccroche immédiatement. Hilda comprend que c'est Albeiro qui vient de l'appeler. Ce qui lui fait plaisir car cela prouve qu'il est toujours vivant. Pendant la réunion, Catalina rassure Sandra et lui dit qu'elle fera tout son possible pour retrouver sa sœur. Marcela propose ensuite à Catalina qu'elle va s'occuper aussi du cas de Albeiro, qui a lui aussi disparu. Catalina accepte avec joie et remercie Marcela. De l'autre côté, la Diablesse donne encore le téléphone à Albeiro. Et le menace qu'il a intérêt de répéter tout ce qu'elle lui dira à Hilda. Au téléphone, Albeiro dit à Hilda qu'il ne veut plus jamais entendre parler, ni d'elle, ni de Catalina. Qu'elle en détruit sa vie. Il ajoute de ne plus jamais le rappeler. Hilda choquée lui demande ce qu'il raconte. La Diablesse raccroche le téléphone immédiatement.
Après cet appel, Hilda en pleure est totalement choquée et bouleversée. Myrta et Lisette essaient de la consoler. Au même moment, Hilda reçoit des fleurs de la part du journaliste pour l'interview. Hilda en pleure appelle Albeiro mais le téléphone de celui-ci est fermé. Elle est totalement effondrée. De l'autre côté, Vanessa rejoint tout le monde pour parler de l'affaire. Catalina insiste que Rota et Santiago ne sont pas amis et qu'ils ne se connaissent pas. Donc c'est bizarre qu'ils se soient évadés ensemble. Vanessa ajoute que Rota n'est pas capable de planifier un tel coup. Catalina leur dit qu'elle est sûre qu'il y a un cerveau derrière cette évasion. Ils commencent ensuite à fouiller sur les antécédents des autres prisonniers. Surtout le profil de son bras les intéresse beaucoup. Catalina a dit qu'ils se sont fait passer pour morts, pour pouvoir s'enfuir. Santiago en tant que docteur a dû les aider pour réussir cela, grâce à ses compétences de docteur. Donc c'est là que se trouve le lien entre eux. Marcela et Gabriel sont complètement d'accord avec cette idée. À la planque, Rota inquiet demande à Santiago s'il a confiance en son bras. Santiago lui répond oui, et que son bras n'est pas aussi méchant et qu'ils ne sont pas si différents. Rota lui dit qu'ils sont différents car son bras veut se venger. Santiago répond que quand il était en prison, il réclamait la justice. Mais maintenant qu'il est sorti, il veut se venger. De l'autre côté, Daniel commence ses investigations, mais il ne trouve rien pour le moment. Néanmoins, Daniel est certain qu'il y a une personne dans l'ombre qui manipule tout. À Las Vegas, la main noire annonce aux autres qu'ils rentrent tous en Colombie. Et aussi que Moncho ira avec eux en Colombie, car celui-ci veut se venger de Catalina, et lui faire payer pour son œil perdu. Ce qui fait plaisir à Diana et fait rigoler tout le monde. En Colombie, après la réunion, Vanessa dit à Catalina que l'avocate semble sincère et souhaite vraiment les aider. Ce que Catalina confirme. Natalia informe ensuite Catalina que le rendez-vous avec le candidat Berrio a été fixé. De l'autre côté, Albeiro joue avec l'enfant tout heureux, lorsque la nounou vient récupérer le petit. Mais Albeiro souhaite passer encore plus de temps avec son fils. Lorsque le chauve arrive et donne la cagoule à Albeiro pour qu'il la porte. Car la diablesse arrive et elle ne veut pas que Albeiro voie son visage. Albeiro enfile la cagoule, la diablesse arrive et l'embrasse, mais Albeiro la repousse. La diablesse lui dit de bien se comporter, ainsi il pourra voir son fils. Albeiro la rassure et lui dit qu'il ne s'enfuira pas et qu'il respectera sa promesse. La diablesse l'informe ensuite que dès ce soir il recevra son traitement contre le sida. Elle ajoute que sa vie est entre ses mains, donc il a intérêt à obéir. Jessica fait un bisou à Albeiro et s'en va ensuite. De l'autre côté, Vanessa et Natalia sont en voiture. Et Vanessa dit à Natalia qu'elle ne comprend pas pourquoi Rota s'est évadé. Alors que son avocate était sur le point de le faire sortir de prison. Vanessa se demande aussi où peut se trouver Paola. Natalia aimait l'idée c'est peut-être Paola qui a tué Laura, et que Rota veut la protéger. Vanessa est complètement d'accord avec cette hypothèse, et dit que dès qu'elle aura l'occasion de parler à Rota, elle lui posera la question. Au journal, Daniel qui continue de chercher des informations, raconte à un de ses collègues, qu'il n'a trouvé aucune réponse. Daniel est arrêté devant le journal quand des hommes masqués descendent d'un fourgon et le kidnappent. À la maison, Hilda raconte l'appel de Albeiro à Catalina, et les mots durs qu'il lui a dit. Catalina est sous le choc. Et Hilda lui dit aussi que Albeiro est très malade. Catalina lui dit que Albeiro l'avait raconté cela quand elle était à Las Vegas. Mais elle a été choquée car Albeiro a toujours été un homme en bonne santé. Hilda pleure et dit que c'est une malédiction pour ce qu'elle a fait dans le passé. Hilda dit à sa fille que même si ça lui fait mal, elle sait que Albeiro est l'homme de sa vie. Mais Hilda lui dit aussi qu'Albeiro est également l'homme de sa vie. Elle demande ensuite à Catalina qu'au nom de cet amour qu'elle ressente pour Albeiro, elles doivent s'unir pour aider Albeiro. Catalina est complètement d'accord avec cela. Hilda dit à sa fille que si après toute cette histoire, elle et Albeiro finissent ensemble. Elle sera très heureuse pour eux. Catalina surprise demande à sa mère si elle est sérieuse avec cela. Hilda le lui promet, ce qui fait plaisir à Catalina. Chez le candidat Berrio, lui et son équipe préparent son discours pour la conférence. Lorsque Lucrecia arrive et se présente à lui, tous les deux font connaissance. De l'autre côté, Daniel se réveille et découvre que c'est son bras qui l'a kidnappé. Lucrecia raconte à Berrio que partager sa cellule avec la diablesse a été une expérience très intéressante. Berrio lui dit qu'il veut qu'elle travaille avec lui et avec deux autres personnes qu'elle va bientôt rencontrer. Lucrecia accepte avec joie. Berrio lui promet que s'il est élu, elle dirigera un service spécialisé dans la lutte contre le narcotrafic.
En voiture, Catalina appelle le colonel Granados pour avoir des informations sur la disparition de sa sœur, Catalina la moyenne. Le colonel lui dit qu'il va vérifier les caméras de surveillance et rechercher des indices. Et il lui promet d'enquêter sérieusement. Catalina remercie le colonel pour ses recherches sur sa sœur, et de toujours les aider. À la maison, Hilda reçoit Salvatore qui tient un magazine en main. Il remet à Hilda, celle-ci est étonnée en lisant la couverture. Hilda se précipite pour lire l'article, elle était sous le choc de sa découverte. De l'autre côté, Daniel demande à son bras ce qu'il veut de lui. Et que s'il a kidnappé c'est pour qu'il raconte son histoire. À la maison, Salvatore demande à Hilda si tout ce qui est écrit dans ce magazine est vrai. Hilda lui répond oui, mais certains détails ont été dénaturés. Salvatore demande à Hilda pourquoi elle ne lui a rien dit sur son passé. Hilda lui répond qu'il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Salvatore énervé lui dit que cet article peut détruire toute sa carrière. Salvatore se lève ensuite et dit à Hilda qu'il croyait qu'elle lui faisait confiance. Après ces mots il s'en va, Hilda restée seule est en pleurs. De l'autre côté, son bras dit à Daniel que ce n'est pas parce qu'il est ami avec Rota, qu'il lui fait assez confiance pour raconter son histoire. Et que la confiance se gagne. Daniel lui dit qu'il doit lui faire confiance et raconter son histoire. Son bras dit ensuite à Daniel que c'est le début d'une vengeance, et qu'il est sûr que cette histoire fera un grand reportage. À la maison, Hilda est en pleurs et Lisette lui demande ce qui se passe. Hilda lui montre le magazine et se demande ce qu'elle a pu faire, pour qu'on la déteste autant. Lisette lit l'article, elle essaie de la réconforter et lui dit que c'est juste de la jalousie. De l'autre côté, Catalina dit au candidat Berrio qu'elle serait ravie de travailler avec lui, s'il gagne la présidentielle. Alfonso est ravi et dit à Catalina et Valeria, qu'elles vont travailler avec une autre personne. Et il demande à celle-ci de les rejoindre. Lucrecia rentre et se présente à Catalina et la Diablesse comme Lucrecia Olivares. La Diablesse surprise la reconnaît immédiatement, Lucrecia aussi dit à la Diablesse qu'il semble qu'elles se sont déjà vues dans le passé. La Diablesse est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.